What's up les potes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le live de Bungie vient tout juste de se terminer. Donc comme promis, ils ont réalisé tout simplement l'assaut The Shield Brothers. Si jamais vous n'avez pas vu l'assaut, on a tout simplement mis la vidéo du gameplay complet puisque Lady a eu l'occasion d'aller l'essayer tout simplement dans les studios de Bungie. Donc voilà. Et je voulais revenir sur quelque chose qu'on a pu voir durant le gameplay, durant le stream. Alors tout simplement, on a pu voir le tout premier gameplay à l'épée. L'épée qui désormais va faire partie des armes lourdes dans Destiny. Alors l'épée, c'est pas la même que celle qu'on avait pu voir dans le coffre la semaine dernière. C'est une épée avec des dégâts cinétiques. Donc on voit un petit peu, il tape 2-3 fois avec l'épée. Malheureusement, on n'a pas la vue du porteur de l'épée. On n'a que la vue donc d'un personnage autre. Et on peut voir qu'on peut en fait se protéger avec l'épée, tout simplement créer une sorte de bouclier, une sorte de champ qui nous permet tout simplement d'être protégé des coups de l'ennemi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai vraiment hâte, voilà, j'aimerais bien en voir un petit peu plus quand même. Et pourquoi pas pouvoir voir un gameplay avec une épée qui fait des dégâts cryo, solaire ou tout simplement abyssaux. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en voir un petit peu plus, voir la vue à la première personne. Mais voilà, je tenais à partager avec vous le tout premier gameplay qu'on a eu l'occasion de voir ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les potes et prenez soin de vous. Tchuss!